écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Nedji, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. L'Algérie va relancer le processus de demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU, a indiqué Ahmed Attaf, chef de la diplomatie, dans un message du président de la République qu'il a lu en son nom lors du sommet pays arabe pays islamique à Riyad en Arabie Saoudite. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, félicite les participants au défilé militaire du 1er novembre dernier. C'était lors d'une cérémonie de distinction en l'honneur des cadres et personnels militaires ayant participé à cette importante parade. Intempérie, le nord du pays toujours, notamment au centre et à l'est, toujours sous la pluie, des pluies accueillies avec soulagement par le monde rural. On fera le point également sur le nettoyage et curage des avaloirs et des ouèdes pour éviter les inondations. On évoquera dans ce journal la journée d'études et Saïdal, l'entreprise Saïdal qui lance plusieurs projets dans le secteur pharmaceutique. Puis on finira par le sport avec l'équipe nationale qui entame un stage de préparation au vu des prochains matchs contre la Guinée et le Libéria. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition, deuxième sommet arabo-islamique tenu en Arabie Saoudite pour examiner les développements de la question palestinienne et l'évolution de la situation au Proche-Orient. Depuis Riyad, la capitale saoudienne, le représentant du président de la République, notre chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, n'a pas manqué durant son intervention, qu'il a lu en nom du chef de l'État, de mettre l'accent sur le danger et les conspirations qui visent à liquider la question palestinienne. On l'écoute. Il y a un danger, des tentatives pour liquider la cause palestinienne. Ils veulent vider le projet palestinien de son contenu, d'une manière bien conçue, étudiée et systématique. Et pour liquider la cause palestinienne, ils veulent écarter l'idée de l'établissement d'un État palestinien et nous présenter cela comme une condition cruciale pour une solution définitive au conflit arabo-israélien. Ils veulent liquider la cause palestinienne en mettant fin définitivement au principe de la terre contre la paix, alors que l'occupation israélienne, à travers ses actes et son illusion de parvenir à la paix, ignore complètement le droit international. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé dans cette allocution qu'il a lu au nom du président de la République que l'Algérie va relancer le processus de demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Ahmed Attaf a également insisté sur les mesures à prendre contre l'occupation pour qu'elle cesse sa guerre contre Gaza et le Liban. L'Algérie va répondre à la demande qui lui a été adressée par ce sommet pour relancer la proposition de l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Nous sommes également convaincus qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'intensifier la pression sur l'occupation israélienne, diplomatiquement, politiquement et économiquement. Il faut également prévoir des sanctions en gelant l'adhésion de l'occupation au sein de l'ONU et lui imposer un embargo sur les armes. Toutes ces mesures sont indispensables pour mettre fin à cette guerre contre Gaza et le Liban. Et notre chef de la diplomatie qui est en marge du sommet a assisté à la cérémonie de la signature de création d'un mécanisme triptyque entre la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique et l'Union africaine pour soutenir la cause palestinienne. Et justement, direction le Proche-Orient, le nord de la bande de Gaza, toujours sous le feu. Il subit ce lundi une intensification des bombardements et des attaques au sol. L'armée d'occupation, les urgences du sol, hôpital toujours opérationnel dans cette zone, à savoir l'hôpital Kamal Adouane, à nouveau bombardé. La situation humanitaire catastrophique, l'état de famine officiellement déclaré. Un point de la situation avec Mohamed Aboulouaï, secouriste et membre du groupe de défense civile du nord de la bande de Gaza. Il est contacté par Nassim Dahmoun. Concernant la situation dans la bande de Gaza, en particulier à Beit Lahia et ses environs,
Les bombardements et les attaques ciblées se poursuivent sans arrêt depuis une heure, provoquant des massacres. En plus de cela, la population dans cette partie souffre du manque de nourriture et d'eau. D'ailleurs, l'état de famine a été officiellement décrété. S'ajoute à cela, depuis 20 jours, il n'y a plus de défense civile ni d'ambulance dans le nord de la bande de Gaza pour évacuer les corps ni les blessés. Dont certains sont toujours piégés sous les décombres depuis 3 jours. Le seul hôpital toujours opérationnel dans le nord de Gaza, Kam Al Udwan, manque cruellement de médecins et de moyens. Voilà, c'était le secouriste palestinien Mohamed Abou Louaï, joint par Nesrine Dahmoun. Il est 19h06 sur Al Hichin 3. Le général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'ANP, a félicité au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, les participants au défilé militaire du 1er novembre dernier. C'était lors d'une cérémonie de distinction en l'honneur des cadres et personnels militaires ayant participé à cette importante parade. Lors de son allocution, il a exprimé sa gratitude. On l'écoute. Suite au succès retentissant de la parade militaire qu'on a vu lors de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération du 1er novembre 1954, et au nom de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et au nom de l'ensemble des employés de l'armée nationale populaire, il me plaît de vous présenter mes chaleureuses félicitations à accompagné de mes marques distinguées, de remerciements et de reconnaissance pour tous les efforts que vous avez déployés. Vous avez fait preuve d'une grande dextérité et d'une abnégation hors normes. Merci. Merci pour tous ces efforts fournis tout au long de la phase de préparation de cette remarquable parade militaire. Une nouvelle démonstration couronnée par une grande réussite à tout point de vue. Le chef d'état-major qui, toujours lors de son allocution, est revenu sur l'importance de la mémoire nationale. La mémoire nationale constitue l'une des pierres angulaires à laquelle Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur Abdelmajid Tebboune, accorde la plus grande attention dans le processus de construction d'une Algérie omnipotente et victorieuse. C'est un plan indivisible de ce parcours national dont l'ambition première vise la consolidation de l'unité nationale et à la fois le renforcement des piliers de la sécurité, de la prospérité et de la reconnaissance de notre pays. Un parcours qui vise également son ascension stratégique dans le concert des nations, en tenant compte des intérêts de notre peuple vaillant, de ses ambitions et de ses espoirs pour une vie basée sur la dignité et la stabilité permanente. Tout autre chose à présent, on évoque les intempéries, le nord du pays, notamment au centre et à l'est. Encore sous la pluie, des pluies accueillies avec soulagement par le monde rural, même si quelques désagréments ici et là sont constatés, notamment dû à fortes pluies et quelques inondations. C'est le cas à Tizi Ouzou, où on retrouve notre correspondant Mohamed Haouchine. Il pleut depuis 2 jours dans la wilaya de Tizi Ouzou et les chutes de pluie sont très abondantes de jour comme de nuit, à un tel point que de nombreux tronçons routiers sont à la limite des inondations, ce qui rend d'ailleurs difficile la circulation automobile en haute et en basse Kabylie, mais aussi en Kabylie maritime, notamment dans les dérates de Tigzirt et d'Asfoun, où les grosses pluies sont souvent accompagnées de vents violents et parfois imprévisibles. Et si le retour des grosses pluies a été accueilli avec beaucoup de satisfaction dans la région, par les citoyens, les agriculteurs, mais aussi les hydrauliciens, fort heureusement, aucun incident majeur ni le moindre accident de la circulation n'a été enregistré jusque-là. Le directeur de la protection civile de la Wilaya, le colonel Abdelhakim Chabour, que nous avons pu contacter en cours d'après-midi, nous a déclaré avec un grand soulagement que ces pluies salvatrices n'ont causé aucun dégât, si ce n'est quelques infiltrations d'eau dans quelques cités et des cours d'immeubles. Et à l'occasion, le directeur de la protection civile de la Wilaya a tenu à lancer de nouveaux appels de prudence et de vigilance en direction des automobilistes qui empruntent surtout les routes de montagne. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Al-Jechen 3. Et pour parer à tout risque d'inondation, les autorités locales s'attellent à nettoyer les avaloirs et curer les oued. Le cas à Alger où l'Office national d'assainissement et l'entreprise Asrout sont de la partie lors de leur sortie
pour nettoyer ses avaloirs et curer ses oies de reportage. Tout de suite, il est signé Maelkens. Des campagnes de curage et d'entretien des réseaux de collecte des eaux de pluie sont réalisées ponctuellement. Salah Lahlah, inspecteur de la Direction Générale de l'Office National de l'Assainissement. Nous avons deux types d'interventions, le curage hydromécanique et manuel des regards. Pour les ouades, il y a des travaux de curage qui vont réaliser avec des engins de travaux publics. Et nous avons aussi des caméras d'auscultation. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement qu'on n'arrive pas à déceler à l'œil nu, nous avons un dispositif d'intervention qui est mis en place lorsqu'il y a un bulletin météorologique spécial pour se tenir prêt. Les citoyens déplorent le manque de civisme de certains. Malheureusement, les petits, même les grands, ils jettent dans les avaloirs, alors ça va se boucher. J'ai déjà vécu une inondation, il y a les avaloirs qui se bouchent et ce n'est pas bon à vivre. Une inondation, je vous cache pas. En cas de mauvais temps, un système de signalisation est implanté afin de prévenir les débordements d'eau. Nasser Dawood, chef d'unité au niveau d'Asrout de Houssindey. Les opérations préventives déjà faites, des piquets d'alerte doivent être installés, dotés de moyens humains et matériels dans les zones vulnérables, les points noirs, qui a déjà recensé afin d'éviter les risques d'inondation. Pour anticiper les risques d'inondation liés aux conduites obstruées et à la montée des eaux des ouèdes, les experts ont mis l'accent sur l'importance de la coopération entre toutes les instances afin de mener à bien ces campagnes de nettoyage entamées depuis août dernier à l'échelle nationale. Secteur de l'industrie pharmaceutique, lancement de 5 nouveaux projets par le groupe Saïdal pour les matières premières de médicaments, marquant ainsi une étape clé pour le développement de ses capacités industrielles. Un objectif: renforcer la production du médicament et ainsi répondre aux besoins croissants du marché local. On écoute Wassim Ouidri, il est PDG du groupe Saïdal. Il est au micro de Sophia Boukercha. Il y a des projets qui sont déjà lancés et d'autres qui sont juste au début. Il y a 3 projets à Batna. Un projet pour les matières premières, pour les produits de cardiologie, anti-inflammatoire et diabétologie. Une autre usine pour le paracétamol, l'aspirine. Une autre usine additive pour la matière première des produits d'oncologie. Ici à Alger, un projet pour la thérapie cellulaire et un projet pour la production des biosimilaires en matières premières. À Médéa, les matières premières des antibiotiques. Aussi, on produira, Inch'Allah, si on pourra, le bioéthanol et la levure boulangère. 2025, on aura 29 à 30 produits. Elle représente à peu près 300 millions de dollars d'importation. Je parle de produits finis à la PCH. Quand on commencera à produire la matière première, la facture d'importation, de façon drastique, même les intrants, on ne va pas les importer. La page culturelle à présent avec le 27e SILA, Salon international du livre d'Alger, qui se poursuit au palais des expositions de la SAFEX au pain maritime d'Alger. Une manifestation qui attire de nombreux amoureux du livre, parmi eux les plus ou les moins âgés. Les enfants, ces derniers, ont pu découvrir ou redécouvrir le livre sous toutes ses formes. Des moyens pédagogiques innovants leur sont d'ailleurs proposés pour stimuler leur créativité et leur imagination. Maïssa Smaïl était sur place, elle est revenue avec ce sujet. En parcourant les stands du salon, on ne peut que constater que les livres pour enfants ont une place de choix. Un rayon en particulier a retenu notre attention. Il regroupe des livres abordant des sujets variés tels que l'espace, la nourriture ou encore les animaux, le tout illustré de manière dynamique façon bande dessinée. Aïmad Lahazali, exposant. Les Coréens, ils ont pensé à un concept vraiment formidable où on peut apprendre à les enfants les sciences qui sont difficiles à assimiler, mais sans que les enfants s'aperçoivent. C'est des bandes dessinées destinées pour les enfants de 6 ans à 14 ans. Les enfants adorent cette série et l'aiment bien parce qu'ils s'amusent. Elle est très ludique. Les jeux pédagogiques, largement disponibles au salon, offrent l'opportunité de stimuler la créativité et l'intelligence des enfants, nous dit Bendris Mohamed, exposant. Maintenant, on ramène des puzzles qui sont des niveaux. À travers ces puzzles-là, on peut même faire le test d'intelligence de l'enfant. Et l'avantage dans ces jeux-là, c'est des jeux que les parents peuvent les jouer avec leur enfant. Autre best-seller de cet événement, le livre parascolaire, qui est en tête des ventes de certains éditeurs. Des livres couvrant le programme scolaire des différents niveaux à de petits prix, permettant ainsi de satisfaire les familles au budget moyen.
De la culture au sport, il n'y a qu'un pas. On accueille Rustam Yahyachi. Bonsoir. Bonsoir. Et l'actualité sportive aujourd'hui, c'est le début du stage fermé de l'équipe nationale en prévision de ces deux rencontres, à commencer par celui de jeudi contre la Guinée équatoriale à Malabo. Tout à fait, déjà qualifié, je le rappelle, à la phase finale de la CAN 2025, les Verts qui entament aujourd'hui ce stage de préparation. Les joueurs sont arrivés au centre technique national de Sidi Moussa, Nastar du Revenant, Fass Chaibi et Himed Abdelli, Riyad Mahrezou, encore l'attaquant du club Aziri Karabakh, Yassine Bendia, qui nous parle des deux prochains matchs des Verts et le fait de jouer pour la première fois à Tizi Ouzou au stade Houssine Aït Ahmed. Toujours une fierté de venir ici. On va faire le maximum, Inch'Allah, pour gagner les deux matchs. L'Afrique, c'est toujours difficile. Même si on est déjà qualifié, on va profiter de ces deux matchs pour essayer de peaufiner tous les détails. On est impatients, Inch'Allah, de jouer dans ce beau stade. On a tous vu les photos, les vidéos. Et j'espère qu'on va faire un grand match là-bas. Je rappelle les deux dernières rencontres de ces éliminatoires de la CAN 2025. Tout d'abord ce jeudi à 14h heure algérienne, ça sera à Malabo face à la Guinée équatoriale. Et ensuite les Verts recevront pour la première fois dans l'histoire de l'équipe nationale à Tizi Ouzou au stade Houssine Aït Ahmed le dimanche 17 novembre à 17h, le Libéria. Merci à vous, Rustam Yahyachi. Les fins de ce journal réalisé par Sid Ali Tobal et Ali Laouissi. À la technique, le sympathique Krimo, au streaming, la distinguée Mouni, tout de suite, le point météo en compagnie de Kerima Benoît.